Yo tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous de la semaine chez Xur et j'avoue qu'il m'a manqué ce petit bonhomme, je ne l'ai pas vu la semaine dernière. Donc voilà les retrouvailles et c'est parti, on va aller voir directement ce qu'il a à nous proposer comme arme cette semaine. Petit tour d'horizon avant de commencer, il se trouve à l'avant-garde pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. C'est parti, l'arme de la semaine, c'est donc l'ombre et lumière que je vais m'empresser d'aller acheter puisque je ne la possède pas, j'avais une collection d'armes exotiques assez importante et j'en ai démantelé quelques-unes, l'ombre et lumière en faisait partie, donc voilà, je vais pouvoir la récupérer. Ça c'était pour mavie.com, on va pouvoir continuer avec le stuff que l'agent des neufs a à nous proposer cette semaine et on commence donc avec les titans. Donc pour les titans cette semaine, les ailes de la perdition, un bras assez sympathique mais s'il y en a d'autres de plus intéressants. Ensuite pour les chasseurs, vous avez le gant, ne me touchez pas, un très très bon gant. Le cœur de feu Praxis pour les arcanistes, juste magnifique avec un très très beau design que je vous recommande. Ensuite, un éclat exotique et pour terminer, un engramme de gants pour ceux qui n'ont pas encore le gant exotique de leur rêve. Côté amélioration, donc là je vous le rappelle, les améliorations c'est bien pour ceux qui possèdent déjà un équipement mais qui souhaitent l'améliorer, qui n'est pas encore accessible en niveau 36, un équipement que vous avez looté par exemple avant les mises à jour pour les stuff en niveau 36. Vous avez donc simplement à acheter cet équipement, vous allez devoir le réaméliorer à fond bien évidemment, mais il sera à partir de maintenant beaucoup plus puissant. Donc ça c'était le petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi à quoi servaient les améliorations et en l'occurrence cette semaine on a le radar à des cérébrés et les gènes des jeunes à Ramkara pour les chasseurs, la forteresse crânienne et l'écusson d'Alpha Lupi pour les titans et le cœur de feu Praxis et le plastron de la canine abyssale pour les arcanistes, un torse juste magnifique, le plus beau torse au monde. De toute façon, les arcanes sont les plus beaux personnages de ce jeu. Et on continue avec les armes. On a donc le poupée vaudou, la mort rouge. Il y aura également l'outil multifonction Mida, l'invective, le plancé, l'éternité en poche pour tout ce qui est amélioration d'armes exotiques. Côté télémétrie, on retrouve les fusils à impulsion, revolver et mitrailleuse et bien évidemment les fameuses cartouches d'armes lourdes dont on ne manque plus à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour notre tour d'horizon, un 360 degrés de Xur. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous!